Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel Vianès. Bonjour Jean-Marie. Présidente de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme, Michel. À la veille de Pâques, vous nous faites une déclaration d'amour littéraire, puisque vous venez nous parler d'une Lyonnaise, Louise Labbé, qui justement a été inscrite au programme de l'agrégation en 2024. Oui, Louise Labbé, la grande poétesse lyonnaise du XVIe siècle, est enfin au programme de l'agrégation 2024 dans une édition, l'édition chez Gallimard. C'est important parce que l'an dernier, la Pléiade, qui publiait enfin ses œuvres, en avait confié la publication, oui, à une chercheuse qui contestait l'existence même de la poétesse en reprenant des attaques qui étaient portées de son vivant par Calvin, en particulier à Genève. Et donc ce refus de croire que la fille d'un cordier ait pu écrire ces poèmes qui font d'elle quand même la plus grande poétesse de la Renaissance perdurait encore. Alors que quand on étudie ses œuvres et son écriture, ça montre bien qu'elle a un style unique. Et donc pour moi, elle est importante bien sûr pour ses poèmes, elle est connue pour ses poèmes, mais aussi pour moi ce qui est important, c'est son épître dédicatoire à Clémence de Bourges. Alors comme elle appartenait à la petite bourgeoisie, elle devait prendre des précautions et se mettre sous la protection d'une personne de la noblesse, donc pour pouvoir publier ses œuvres. Et à ce sujet, sur cette épître, j'ai donc écrit il y a quelque temps un article pour la revue de la Dombe qui s'appelait « L'étincelle féministe de Louise Labbé, lyonnoise, a-t-elle son origine dans la Dombe ?» Alors qu'on était au XVIe siècle, c'est particulièrement précurseur. Pourquoi vous avez choisi cette épître ? Eh bien parce que l'épître commence ainsi. « Étant le temps venu, mademoiselle, que les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines. » Effectivement, précurseur. Voilà. Et c'est un véritable manifeste féministe qui est toujours d'actualité parce qu'elle revendiquait l'égalité des sexes, mais une égalité qui concerne toutes les femmes, quel que soit leur milieu social. Et elle est déjà, je dirais, universaliste. Et elle souhaite surtout que toutes aient la connaissance pour voir, alors là je la cite aussi, pour voir notre sexe, donc, non en beauté seulement, mais en science et vertu, passer ou égaler les hommes. Et elle prie donc les vertueuses dames d'élever un peu leurs esprits au-dessus de leurs quenouilles et fuseaux. Oui, les quenouilles et les fuseaux, c'était le cliché de l'époque. Hein. La femme à la cuisine, à l'époque, on disait les quenouilles et les fuseaux. Voilà. Et donc, et pourquoi elle a son origine dans la Dombe? Eh bien, tout simplement parce qu'elle a grandi et fini sa vie, d'ailleurs, dans la Dombe. Cette région des temps qui est au nord de Lyon, oui, où magnifique. Et elle a vécu une partie de son enfance, donc justement à la campagne, et ça, ce qui signifiait donc moins de contraintes, et elle partage des activités, jeux avec ses frères, et elle monte à cheval, et elle apprend le maniement des armes, elle s'habille en garçon, et tout ceci faisait qu'elle avait une certaine liberté, et surtout ce qui était très intéressant, alors que son père était lui-même illettré, il a perçu donc son intelligence et il lui a permis l'accès à la culture, en particulier l'étude du latin et du grec. Alors vous imaginez à l'époque... C'était fondamental. Et en plus, son mari aussi n'était pas du tout, n'avait pas du tout enfermé dans le carcan, je dirais, du patriarcat. Donc, c'est ça qui est important. Et moi, je voudrais peut-être, pour terminer, dire que son portrait ornait le drapeau d'un des bataillons des révolutionnaires de Lyon, qui œuvrait pour la liberté. Et donc, son symbole très fort. Et c'est pour ça que je me réjouis qu'elle soit enfin à l'étude, donc pour l'agrégation. Eh bien, voici en tout cas les conseils de lecture de Michel Vianès. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente de l'organisation Regard de Femmes, non gouvernementale, c'est ça. On vous retrouve samedi prochain, Michel. Tout à fait. Bonne journée et merci.